Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewy, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewy pour vous servir. Moi, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, moi... excusez-moi, moi ça va. on se retrouve pour l'épisode 19 de SnowRunner. Côté institut, enfin l'institut. Sur place ici, il y a deux améliorations et un véhicule à récupérer. Je viens de où au fait? Non. Je crois que je viens de croisement, hein. Oui. Donc croisement, il y a une amélioration vers ici. Et l'autre est à l'opposé total, tout en haut. Et le camion est en haut aussi. Ok, bon, on va y aller. Hein. Bah oui, bien sûr, on va commencer. Il va commencer à faire nuit. Là. Moi, je pense que je vais faire un live pas trop long parce que j'ai quelques petites courses à faire pour les bêtes. Pas besoin d'un pont mobile ici, hein. Il suffit de passer dans l'eau, hein. Pas pousser mémé dans les orgies non plus, hein. On manque de quêtes. Alors, bon, les deux quêtes sont sur le chemin. Les arbres là ils nous sauvent la peau mais des fois ils sont bien casseux. Hein? Oui mais non. J'ai activé le défi, moi je suis bête. Oui je sais, objectif échoué. Salut Kiki. Enfin re-Kiki plutôt. Alors, je suis au coureur des marais.
ça. Déjà pour mix. Hop, ah oui. Bon. Ouais, donc je suis. Ok, donc faut que je monte. Depuis hier. Ouais, j'avais vu ton salut chez June, mais comme j'étais en train de lui répondre, j'ai pas pensé à te le rendre, et puis ça m'est sorti de la tête après. Encore une remorque de quête. Ce matin, j'ai été chercher les véhicules saison 10, je sais où ils sont. Oui, moi aussi, je peux savoir, hein. C'est pas un problème. Puisque là, bon, je me précipite, là, je me dirige vers le véhicule qui a l'institut à récupérer. Le step pike. Hein? Bon, c'est plus facile de les chercher sur internet parce que pour expliquer. À l'endroit que c'est sur une map, avec le décalage du live et tout ça, c'est une prise de tête, hein. Ok. Alors, le facteur disparu. Facteur disparu, le blanc. Et normalement, il y a la tour de guet qui est juste devant. Il faut que je me mette là, à peu près comme ça. Donc il faut que je suive la route. Et le bike est partant après vers la droite, la gauche pardon. Pas une quête à récupérer ça. Ouais bon allez, pas loin. Ce matin, j'ai allumé Store Runner et j'ai perdu tous mes camions. Ah. T'as voulu aller en survie, en safe coop. Racheter mes camions. Ah oui, c'est pour ça que j'ai rajouté le mode GGMS, hein. Comme ça, quand je dois aller en coop, eh ben, je supprime mes camions, enfin je les revends direct. Comme ça, je peux les racheter plus facilement par la suite. Ou bien j'ai une autre manière, mais le problème c'est que là, c'est une bonne manière, mais le problème si le gars il a pas les modes, et eh ben ça marche pas vraiment quoi le truc.
Parce que des fois, ce que je faisais, Kiki, je sais pas si ça fonctionne encore avec la dernière version, mais je sortais tous mes camions modés. Par exemple, j'allais au Michigan, j'allais au garage, je sortais tous mes véhicules modés du garage, je les laissais traîner dehors. Je repartais, admettons, à Taïmyr, et après, bah, je désactivais les mods pour faire la safe coop. Et une fois après, quand j'avais fini la coop, je remettais les mods et il y avait une chance pour qu'une bonne partie des camions soient à nouveau là. Soit toujours là, je veux dire. Alors, l'aide prioritaire. Non, moi je joue tout seul. Hein? Alors comment ça se fait que t'as perdu tes camions modés? C'est pas normal. Le seul moyen pour perdre les cartes et les camions modés, c'est d'aller dans une sauvegarde coop. Tout pour faire chier hein, sur ce point là hein. Peu de chance que j'arrive à la... Oula. Chargé comme une grosse, bien une grosse daube, hein, mais. Un bel artichaut sauvage apparaît. J'arrive pas à comprendre, oui, mais c'est bizarre, hein, parce que, comme je dis, les camions modés, ils s'enlèvent, si tu vas en safe coop, et ils s'enlèvent pas tout seuls. Ouais, moi, justement, ouais, j'ai jamais eu ce problème, ils se sont jamais enlevés tout seuls, hein, mes camions. T'es sur Steam ou sur Epic? Parce que sur Epic ça m'étonnerait même pas parce que
J'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait eu un problème du même genre. Steam, oh bah c'est bizarre alors. Donc moi je suis sur Steam, j'ai jamais eu de problème. Justement, j'ai plus de problèmes depuis que je suis passé sur Steam. Parce que moi aussi sur Epic j'avais des pertes de camions des fois. Mais là, sur Steam, alors, j'en sais rien pourquoi. Alors, donc là, j'ai récupéré le camion. Oh, il n'y a qu'une seule amélioration ici. J'ai un autre véhicule sur le même chemin. Ah oui, c'est bien ce que je prends, mais je me mangeais. Et là-bas, il y a le passage. Il a un peu perdu sa camelote dessus, hein. Quête ça ou bien. Le camion est l'un des premiers véhicules à traction intégrale, prendu en main dans le modèle, etc. Mais c'est assez. Abattre. Bon, je vais récupérer une moissonneuse de mort sur la route en même temps. Je
Pour être utile si éventuellement j'en ai besoin d'une autre map. Faut que je fasse gaffe hein, parce que là si je me retourne, j'ai un peu dans la galère parce que il a pas le treuil automatique celui-là. C'est bien que j'ai réussi à choper de limite de justesse le poteau et qui s'est redressé par le. Comment ça s'appelle ? Par le mouvement de retombée. Autrement, si je serais vraiment. Si le moteur aurait calé juste avant, bah c'était mort quoi. Obligé de traverser toute la map avec le Kenny pour venir me rechercher. C'est la machine que j'ai là-bas que j'ai. C'est ça qui est drôle, la machine elle a été abandonnée en même temps que le truc d'exposition, on dirait. Mais la machine elle est en parfait état tandis que tout le lieu en lui-même est pourri. Tout le lieu est en ruine alors que la machine est en parfait état. Même des poteaux téléphoniques qui sont censés durer des années et des années. Ah tiens, je connais cette remorque. Je viens de le faire, Terre centrale je l'ai fait. Je
faut que je reparte à l'institut. Parce que je n'ai pas été chercher l'amélioration. J'ai oublié en route. Hein. Même pas une demi-heure et j'ai déjà fini tout le lieu ici. Oui, ça a été rapide. Ça me paraît bizarre. Alors, le pont en bois. Le pont en bois, il est là. Donc, il faut prendre la remorque. Et vers la remorque. Partir tout au bout. Hop, faut suivre les têtes de route dégueulasses là. Jusqu'à la tête de marais. On va aller scanner là. Voilà. Le Don, c'est un véhicule pour moi ou quoi? Ah oui. Un véhicule pour moi, d'accord. Pourtant, il n'a pas été validé quand je suis passé à côté avec le camion, mais bon. Bon, je vais pas me plaindre. C'est un véhicule gratis, hein. Je sais pas comment que j'ai fait pour me redresser. Le Wookie, il a failli passer là. Oui mais non. Oui mais non. Ça ne sert à rien. Garage ici, hein. Ouais, y'a pas de garage, hein. Faut que je revienne, que je reparte au croisement avec un, pour récupérer un véhicule. Et sinon, un rhinocéros sauvage vient d'apparaître. Direction institut. C'est ça. Oui. Bon. En fait, ça va être un peu plus long, hein. On va aller au croisement. À l'institut, je veux dire.
Oh! Oui, je sais. Mais je parlais à moi-même en regardant ma preneur. Bon, par contre, l'autre là qui gigote son cul là en bas de mon écran, là, ça me stresse un peu. Merci. J'imagine même pas comment que le conducteur il est secoué dans le camion là. Nos féroces s'est échappé, cool. Un catch raté de plus, ça m'en fait 5, encore 15. 15 ou 20, je sais plus. Tu disais tout à l'heure, Kiki, que tu parlais de la saison 10. Bah, pour le moment, je saurais pas, hein, j'ai pas les moyens de me l'acheter encore. Donc, bah, ça attendra. Hein. Oh, oh, calme! Descendre, c'est sûr qu'il va avancer le machin. Ah, je me suis glitché. Ludes.
Putain! Petit MP10 avancé du build. Ok, d'accord, je regarderai. Bim pas mon boignac, je vais me gêner, tiens. Hop là. Alors, qu'on dit à Hades. Aïe! Si je démarre le moteur, ça va pas le faire. Bah, si j'éteins le moteur. Hein? Et accrocher Treuil. Là. Et pourquoi que je peux pas l'accrocher le Treuil? Bah. Je peux pas accrocher le Treuil au camion. Toi déjà tu vas te dégager, hein, je suis sûr c'est toi qui m'en hein, me bloque l'accès à mon Treuil. Ah oui, c'était elle qui me bloquait l'accès à mon Treuil. Allez, t'as la puissance le boignac là. Voilà. Je savais qu'il y avait la puissance, le pépère. Bien, on éteint ton moteur. Dommage. Ah, je savais qu'il avait la puissance, hein, le boignac. Hein. C'est vrai que j'utilise beaucoup. Oh la vache! C'est vrai que j'utilise beaucoup lors des dépannages d'autres camions, hein, le bobo. Parce que je sais qu'il a la puissance pour tracter, quoi. Bon, des fois, il n'arrive pas, parce que soit il y a trop de poids, soit tout simplement le terrain est pas du tout adapté au tractage. Mais les trois quarts du temps, il en est capable. J'utilise que le step 310. Ah bon? Oh tiens, j'en ai déverrouillé un nouveau des steps. Hein? Bon, il est un peu abîmé, hein. Un step pike. Un peu abîmé, mais bon. Ah, ce sera la miniature. So hard and got so far, but in the end, it doesn't.
Hein, en partie classique, moi par contre, c'est le Azov 64-131 que j'utilise en dépannage. Ou le 73, le grade bitume. Mais pas pour tout, parce qu'il y a certains endroits, il ne peut pas y accéder à cause justement qu'il gratte le bitume. Et comme j'ai pas encore débloqué la surélevée sur la sauvegarde classique. Ah voilà, la meilleure. Ah mais qu'est-ce qu'elle est sensible la boîte de vitesse là. À peine que j'appuie sur le bouton pour donner un peu de puissance, un peu de boost à la boîte de vitesse, elle se change. Ah tiens, pour une fois, c'est un tracteur qui est à la place de la voiture. Bien sûr, c'est pour le tracteur, c'est pour les tracteurs. Bah tiens, amélioration tracteur. Voilà. Alors ici, c'est fait. Alors maintenant, on repasse à Harvest Cop. Hop. Carte. Harvest Cop. Alors, j'arrive de l'institut. Donc l'amélioration. Soyez tout droit. Déjà elle est tout droit. Et un flabébé sauvage apparaît. J'ai plus d'essence. Ah, j'ai plus d'essence dans le radar. Ah voilà. Oh, encore un pont en bois. Non mais sérieux. Manière pont en bois, on s'en fout. Pont inachevé, on s'en fout. Donc tout droit et en bas. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Another start, you fade away.
vient à peine de démarrer, il est déjà en 6ème le machin. Bande de chacal, je peux pas passer. Si. C'est pas ça qui va m'empêcher de passer, hein. Bon, attends, je vais déjà la valider, l'accepter, la quête là. Bah bien sûr, la pire fumisterie dans le truc des aliens. Un cercle mystérieux. Va me faire rire ces conneries. Un circle crop. Crop circle, pardon. Wow, ça c'est la même crotte. D'accord, un épouvantail sur un bateau, ok. Pourquoi ? On va aller plutôt scanner au niveau de au niveau des champs. Qui dit champ dit peut-être remorque. Et qui dit remorque peut dire économie lors de l'achat d'une remorque s'il y a une mission à faire. Pokémon, personne n'a attrapé. Bah, je crois que je... Ah oui, c'est échappé. Et un autre raté. Ça me fait 7. Non, 6. Attends. Ah, je sais même plus. Pokémon, bon, le truc est en PLS encore. Bon, l'autre qui gigote là. Non, 9 sur 20. 9 ratés sur 20. J'ai pris le même radar sur SnowRunner. Ah oui. Bah le bobble d'or, ouais. Ah, il est bien efficace, le machin, là. Il est bien, par exemple, quand tu complètes les maps. Quand t'as fini la map, par exemple, bah tu mets un véhicule modé avec ou un véhicule classique, hein, avec le radar, tu scannes tout le bazar et puis voilà quoi. Ah, y a peut-être quelque chose à récupérer là.
chiot, moi, là. Faut que je mette la map comme ça. Donc, je suis sur le pont. Faut que je reprenne la route, au final. Faire ça comme ça, j'aurai un aperçu de la map. GGMS Bubble Dart. Il y en a une qui a soif. Buvez, pensez à boire. Ça fait deux fois qu'elle le répète, à mon avis, c'est que sa jauge de boisson, enfin que la jauge de boisson de Utena doit être bas. C'est quoi de ces ponts de malheur là? Donc de se faire chier à construire un pont. Ils peuvent pas venir tout simplement avec une benne et baigner des trucs dedans. Donc de construire un pont inutile. Quelle la fleur. Pourquoi que je me passe en vitesse lente? Effectivement, fin 73, soif 72, humeur 79. Putain, non, enfin, on va lui donner quoi à bouffer? Oh, des ailes de poulet braisées, tiens. Bon, voilà, elle est remontée en nourriture. Et l'humeur est remontée en même temps, quasiment à 100%. Merci pour Utena Kiki. Voilà, amélioration de tracteur. Hop, voilà. Parfait, parfait. Ah, manque une amélioration. Ça convient ici. C'est où déjà? Un Harvest Corp. Ici, il n'y a qu'une seule améliore. Donc, je viens de la trouver. Donc, on va récupérer le véhicule déjà.
que pour le garage, il faut faire la quête réparation. Mais je m'en fous. J'ai pas que ça à faire. Hop. Ensuite, ici à Terre Centrale, il y en a combien? Terre Centrale. Il y en a deux. Alors, garage. Ah oui, il y a les champs. Et l'amélioration, elle est ici. Donc j'ai été à chercher. L'autre, elle est où? Elle est tout en bas. Vu que c'est nettoyé là, à mon avis, j'y étais. Un institut. Alors, institut. Carte interactive, institut. Il n'y en a qu'une. Elle est tout en bas. Alignée avec l'entrepôt d'institut. Aïe! Ok, bah j'y suis, donc c'est pas celle-là. Par contre, là, il y a trois véhicules à récupérer. Hop. Et un Quenator sauvage apparaît. Ah bah tiens, un Pokémon Castor. Hein? J'en veux plus des castors, j'en ai trop. Pokémon souris dodu. Ben, pour moi, ça pas vraiment une souris, hein, ce truc. Ah, il y a 4 camions à ramasser là-bas. Ah oui, c'est vrai, j'en ai découvert, hein, j'en ai récupéré un deuxième. Hop. Ah, mais je voulais pas l'attraper. Oh, bah, je l'avais pas, pas comme ça. Ah si, je l'avais déjà. 15, il est déjà level 15, niveau 14, level 23, IV 20. Ah, il est un peu meilleur. On vire le plus vieux. Enfin, le plus bas. Contre les Pokémon fées, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai une quête qu'il faut, enfin une mission qu'il faut les récupérer. Like the ocean.
Viens! T'as même récupéré le pot, il est tout moche. Voilà. Alors, l'institut c'est bon. Terre centrale. Bah Terre centrale, j'ai déjà été là. Harvest Cop. Il y en a qu'une aussi. Oh, c'est bizarre ça. Attends, je vais redémarrer le jeu. Bon, y a un problème là. J'ai fait toutes les maps, mais j'ai perdu. J'ai pas toutes les améliorations. Oh, fait chier, je vais être obligé de tout repasser en revue. Bon, bah c'est reparti. Alors ici, il y en a qu'une. Il y en a deux là. Une dans l'espèce de truc là. Ah attends, c'est peut-être ça. Eh oui, je l'ai pas. Oui, d'accord. Ouais. Ok. C'est vrai que j'étais parti de base la chercher hier, avant-hier. Et j'ai commencé à partir dans tous les sens. Et puis bah... Résultat, je l'ai pas fait quoi. Ouais, c'est vrai, je suis parti dans tous les sens. Avec je sais plus quelle remorque à ramener là. Oui, donc ça va. Par contre, il est dégueulasse ce garage, hein. Il pourrait le nettoyer un peu, hein.
Ouais, comme je m'étais en plus basé sur le fait que j'avais déjà un peu exploré le coin là, et que c'était dans les coins là que l'amélioration était, je me dis oui, bah c'est ça. En fait, non, c'est une amélioration pour le Dan. J'en ai pas. Ah, normalement elle est juste en face là. Ah non. Faut aller en face et un peu ici. Voilà. Salut Kenya. Ah purée, on sent une souche de mort là. Bah ça va, ça va. Je suis totalement niqué sur une souche là. Et en plein, elle prend ses piles là. Le problème, c'est que j'ai aucun point d'ancrage proche. Ah, comme d'hab, un putain de bout de bois là qui vient, qui se bloque. Qui se bloque pas, donc. Excuse de merde. Et comme c'est bugué, ben chaque fois je suis obligé de le ramener jusque moi, sinon je le rattrape plusieurs fois. Mais putain, ça y est là, leur foutu ficus de mort. Ah, y'a rien à faire, hein. Complètement coincé. Voilà, là c'est la dernière amélioration que je vais chercher. Et j'aurai fini toutes les maps à récupérer. C'est la dernière. La dernière de chez la dernière. Après, bah, y a la saison 10, mais je ne l'ai pas encore acheté. Et je peux pas l'acheter encore. Donc, en gros, pour le moment, c'est la fin.
On va te faire foutre la souche. Bon, mais... Bah oui, je regarde au loin devant moi, enfin au loin devant moi, mais pas au devant moi au pied quoi. Amélioration tracteur. Voilà. Et voilà. Sur 5 4 sur 4, 5 sur 5, 2 sur 2, 5 sur 5, 2 véhicules sur 2, 7 améliorations sur 8, hein? Ah. 6 sur 6, 2 2, 2 2, 10 10, 1 1 1 1, 24, 2-2, 23, 8-8, 21. J'ai oublié une ici. Ok, bon, on y retourne au Wisconsin. Ok. J'ai pas déverrouillé des fois. J'ai oublié d'aller chercher. Non. Ah, là, là. D'accord. Donc, on va aller au garage. J'ai bien, un Seracrol sauvage apparaît. Pokémon glace plate. Horrible là. C'est comme si l'image allait lâcher là. Elle sursautait chaque centimètre que je faisais. Come on, put it down on me. I'm right here, 'cause I need little.
C'est dingue, je me rappelle déjà plus du fleuve Renwood. Allez, je trace juste pour récupérer les améliorations et tout ça. J'ai pas à retenir le chemin puisque je ne vais pas tourner en rond dans la map. Pas m'en préoccuper. Hein. Oups, j'ai été trop loin. Oui, là, j'étais parti en mode death. Hein. Tout tracé, tout droit, à pleine puissance. J'ai vu de près le précipice là. La Serral Crawl s'est échappé, j'en suis à 10 sur 20. C'est bien efficace les Pokéballs pour rater les captures. Récupérer. Et 8 sur 8. Et tout. Véhicule trouvé 21-21. Amélioration découverte 113 sur 113. Point de vue découvert 53 sur 125. Session jouée 15. Mission terminée 30. Paiement reçu 195 250. Mission complétée 176 sur 737. Véhicule possédé 56, paiement reçu 652 850, distance parcourue 1 211 684 km. Nickel, nickel. Où les séquoias là? Les livrer. Mais ils sont où? Hein?
ça c'est fait. Ouais, Ontario saison 9, Colombie-Britannique saison 10. Ok, ici. Hop. Que j'ai en live, moi, en fait. Alors, bref. Et donc, bah attendez, je vais lancer une petite pub. J'arrive. Remix de Crazy Frog. Oh, je pense qu'on est revenu. On va se stopper là puisqu'on a fini la partie coop. Tous les véhicules sont récupérés, toutes les améliorations sont récupérées pour le moment. Bon, tant que j'ai pas la saison 9 et 10, je peux pas la continuer. Hein. Je peux pas continuer les récupérations. Hein, à moins d'être magicien, mais bon. donc voilà. Donc on se revoit plus tard, je pense, dans la soirée ou dans l'après-midi, parce que là je vais partir en course. Voilà, je sais pas combien de temps. Donc bah voilà, bonne chose de faite. Il y a beaucoup de donc dans mes phrases. Il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr. Chewie et Mr. Wookie ainsi que Wookie 88. Bon, ça va, c'est un petit live d'une heure 20, 1h30, je sais plus, j'ai pas regardé. Attendez, je regarde. Donc 1h25. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche et blablabla, enfin vous connaissez, hein. Vous connaissez comment ça se goupille sur YouTube. Hein. Ou à me rejoindre sur Discord et Twitch, les liens seront dans la description. Sur ce, le Dr. Chewie vous dit, on part en raid et ciao babouille, bisous. C'est parti, allez, montez, 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 montez. Ah, de 7, ça tombe à 6 et de 6, il n'y a que 4 personnes là. Allez, dans le raid. Ouais, bon, bah, de toute manière, dès que je dis le mot raid, la plupart du monde se barre.